Bonjour, bonjour les amis. Donc voilà, aujourd'hui une petite sortie, compagnie comme d'habitude de Loki. Voilà, un coin que j'avais fait grosso modo il y a pas mal de temps, où j'avais fait sur le haut, là-bas quelques DT, quelques munitions de Deuxième Guerre mondiale. J'avais fait aussi deux napos dans le coin par là. Et donc là j'ai décidé de m'engager un petit peu plus. Voilà, dans le penchant. Et ici, bien que j'affectionne pas forcément ces versants en or, là, parce que bon, évidemment, il y avait beaucoup moins de passages qu'au niveau du sud. Mais on sait jamais, bon, on est là pour passer le temps. Et puis donc voilà, bon, bah, écoutez, si jamais j'ai un petit son, les amis, ben, je vous reprendrai. Donc voilà, ben, écoutez, peut-être à tout à l'heure, on sait jamais. Allez, à plus. Bon, les amis. Un son enfin intéressant, ça fait 1 heure que je suis en descendant faire des petits lacets et bon, toujours rien. Loki lui s'amuse, c'est pas de soucis. Et là, enfin un son intéressant, et là un trou, et donc j'ai pas sorti encore, mais je vois ici il y a quelque chose, alors on va le découvrir ensemble. Regardez là, ici, là, à mon avis, c'est une monnaie. On va voir, hop, et voilà, effectivement. C'est une monnaie. Alors quoi? Je sais pas, ça ressemble aux 10 centimes la peau. Apparemment, il y a une belle patine dessus. Ou une cérès, je sais pas. Il y a beaucoup de terre. Il y a beaucoup de terre dessus ce côté. Et ben, je vais pas trop frotter parce que j'aime pas les abîmés. Je vois rien. Bon, je sais pas. Napo ou CRS ou je sais pas. Mais apparemment, il y a une belle patine bien verte dessus, donc on le voit là. Bon, ben enfin, une monnaie. Je suis bien content. Hein. Fou, parce que alors c'était long. Hein, tous les trucs que j'ai fait avant, rien, rien, rien du tout, que des cartouches ou des trucs comme ça. Donc bon, mais c'est sympa, mais je vais voir un petit peu autour, ça se trouve il y en a d'autres. Bon, mais peut-être à tout à l'heure, les amis. Les amis, non, Loki, tu causes pas. Là, en remontant, un nouveau son, indice très intéressant. Donc, voilà. Je sais pas si vous allez le voir, c'est là. Ici, là. Non, ça c'est pas une bonne idée de t'asseoir dans le trou. Voilà, aïe, les bogues. Ici, hop, je pense que c'est une monnaie, je vois la tranche là. Là voilà, il y a un super son. Vous voyez là? Putain, c'est fin, là voilà. Waouh! Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est une monnaie sûre, mais alors très fin. Oh, je sais pas. Oh, là, ça vaut, ça a l'air, ça vaut ça. Bon, je vais pas la frotter parce qu'elle est vraiment très très fine. Et il y a pas mal de terre sur ce côté. Il y a un très bon indice. Il y a vraiment un très bon indice. Donc je ne sais pas ce que c'est. Je vais la nettoyer en arrivant. Et on verra s'il reste quelque chose. Bon, ben voilà, c'est la deuxième monnaie de la sortie en remontant. Parce que là, ce côté, il commence à pas faire chaud, là, côté nord, là. Donc voilà, bon, ben, fini de monter. Peut-être un nouveau son en montant. Et s'il y a quelque chose, ben, je vous reprends. Allez, à tout à l'heure, peut-être. Bon, ben, nous voilà de retour avec la sortie d'aujourd'hui ici. Donc, contraste en plus saisissant. On avait presque froid côté nord, et alors là, quand on arrive ici de ce côté, il fait très bon, il fait même très chaud, et donc c'est vraiment étonnant. Donc, alors voilà la sortie. Donc, le lot habituel de vieux clous. Alors, ça, j'ai remarqué, c'est.
fait un son de cloche assez particulier, à part celui-là qui a vraiment très bien sonné. Il devait être positionné comme ça, donc ce qui explique cela. Donc voilà. Après, bon, ben, les cartouches, ça, les chasseurs qui ramassent pas leurs cartouches, c'est pas trop sympa. Enfin, moi je les ramasse, après chacun fait comme il veut. Ça, c'est des plus vieux, donc à l'époque c'était pas d'actualité. Là, une douille de 16, douille à broche, là d'ailleurs celle-ci j'aime bien parce qu'on voit vraiment la broche qui a percuté vraiment, voilà, qui a traversé toute la cartouche. Voilà, on voit bien la... Voilà. Vous voyez comment ça a percuté. Le chien tapait là-dessus, hop, tchouc, et puis ça a enflammé la poudre. Après, vous voyez, de zinc, un vieux dé à coudre qui a vécu, enfin c'est même pas un dé à coudre, c'est un dé à ourler, ça, voilà, un dé à ourler, mais il est en ferraille, alors c'est plutôt bizarre comme truc, j'en avais jamais vu en ferraille, beaucoup en alu, en bronze, en cuivre, mais celui-là, bon, il est mort. Une balle de mousquet qui a dû taper un caillou, hein, qui est vraiment... un petit plomb de chevrotine, là ici un petit anneau en fer, c'est rien, c'est léger, c'est tout rouillé, c'est... Voilà. Et donc nos deux monnaies, donc celle-ci que je vais nettoyer, donc je sais pas, je pense pas que ce soit un apo, tu regardais un petit peu en frottant, ça m'a l'air d'être une révo, mais bon, la patine a l'air vraiment bien, donc j'ai juste frotté un petit peu le côté là pour voir si quelque chose qui apparaissait effectivement en bois du laurier, donc je pense que c'est une révo. On va nettoyer ça et on mettra une légende au montage. Et la deuxième qui est là, donc là j'ai vu ici là sur le coin qu'il y avait un peu de reste, c'est une pièce en cuivre, alors je sais pas si c'est un double tournoi ou un liard, mais enfin vu, elle est très fine, donc je pense plus à un double tournoi. Donc je verrai ça, s'il reste quelque chose, ben je vous mettrai, je ferai une photo et avec légende au montage. Donc voilà. Bon, ben, moi je suis content de la petite sortie, de petites monnaies. Voilà, mon petit Loki a bien marché, hein. Il est mignon. Et mon loulou, ouais. Donc voilà, et puis bon, ben, c'est toujours agréable. Passe une petite sortie comme ça, sympathique, ça fait de mal à personne. En plus, on ramasse la merdouille. Et puis, ben voilà, on peut tomber sur des petites monnaies. Bon, ben les amis, je vous souhaite à tous une bonne détection. Et puis, merci à mes abonnés. Et puis, merci à ceux qui me regardent. Donc, je vous dis, ben, à la prochaine vidéo. Allez, ciao!